gouvernement qui y répond. Comment ça se passe, l'évacuation? Mal. La zone et l'underground ont tout envahi. C'est une vraie zone de guerre. T'es en sécurité? Et ma mère? On sait en faire. Vodka. Dizaines de personnes. Mais on est au piège. Je t'entends mal. Vous êtes où? Tanky? C'est la merde. Si tu m'entends encore, je suis en route. Tenez bon. S'il vous plaît. Si plus il rime avec vie, c'est qu'il y a une raison. Oh, c'est beau ce que tu dis, Lumo. J'ai eu l'excellente idée de sortir faire des courses avec un t-shirt blanc au moment de l'inverse. Ah! Bah, rip, hein, finalement. Le concours de t-shirt mouillé. J'ai gagné le concours. Ah, ouais, je me suis pris la pluie aussi, mais j'étais avec un t-shirt noir, donc du coup, ça va. Tanky, tu me reçois? Ganki? Tenez bon. Ah oui, c'est la guerre. J'espère qu'elle aille rien. Génial! On commence à casser la route. Reste au sol. Du coup, il y a Roxxon et l'Underground, il y a les deux en même temps, c'est ça? J'étais en crotte, j'ai pris la douche. Ah, rip! Ouais, faites gaffe au rhume, effectivement. Oh, waouh! Ça fait mal, ça! Dis donc, toi, Bolos! Hop là, moi je vous bute comme ça, les gars. Camilla, vous êtes avec Caleb? Vous allez bien? Si, on est avec Gloria. Mais c'est grave ce qui se passe. C'est la crise qui recommence. Ça prendra pas la même ampleur. Je ne les laisserai pas faire. Restez à l'abri le temps de sécuriser la rue. Ok. On arrête de prendre les gens par derrière, s'il vous plaît. Calmez-vous. Un bain chaud, c'est mieux qu'une douche froide de dehors, effectivement. Il faut se calmer, messieurs, dames. Bien sûr que si, je suis en train de vous battre tout seul. Putain, ils sont là-haut. Silence! Ça dépend s'ils ont demandé gentiment pour le derrière. Ils ont pas demandé, là, ils m'attaquent, hein. Le consentement n'est pas respecté. Et s'il tombe du toit, ça règle le problème. Ok, toi tu vas te prendre un coup de grâce. Bon, ici ça va chier. Tu m'as vu? Boum! Elle est trop bien cette attaque quand même. Ils sont où? C'est bien, t'es un champion. Aïe.
Ok, ils sont tous collés au mur, ça me fume. Il y a combien de spots comme ça? C'est vraiment la guerre, hein. J'avais compris la première fois, mais je voulais pas le spoil. Tirez-vous! J'adore les balancer des toits. Ah, il est vivant, lui. Ok, ils sont dans la rue, c'est ça? Merde. Il m'a couché au mauvais moment. Et merde! Ils veulent pas que j'utilise mon arme secrète? Arme secrète! Et où est la police, en fait? Ils ont bien changé l'étoile d'araignée de Spider Cochon. J'ai gagné? Ganky? Ganky, vous êtes où? Ganky? C'est qui ça? Y'a quelqu'un? Écoutez-moi! Il faut qu'on sorte de là! Mais je pourrais pas porter tout le monde! Ils vont faire péter le réacteur. J'ai déjà commencé. Oula. Oula, il va tirer sur maman. Ou sur Ganky. Oh, tonton! Il a changé d'avis. Il a raison. Vas-y. On les fera évacuer. Je reviendrai. Dans cette voie. Je sais. Je reviendrai. I'll be back. On ne laisse personne derrière. Oh là là. Ouh. Oh la patate. Seulement détruire Roxxon Plaza, tu vas faire disparaître tout Harlem. J'en ai plus qu'assez d'entendre tes mensonges. Pourquoi personne ne me croit jamais? Aou, aou. Oh là là, mais l'amitié est morte. Elle me brise la mâchoire, quoi. One Punch Woman, ouais, mais de ouf. C'est trop tard. Bah tu devrais t'enfuir alors. Oh shit! Dans la colonne, ma grande. Là, c'est plus du consentement. Ah non, non, il n'y a aucun consentement, là. Tu vas faire quoi? Je peux pas te laisser faire ça. Je peux pas te laisser m'arrêter. Vous pouvez pas parler 5 minutes? Vous êtes pote, putain! Tu vois pas ce que le réacteur est en train de faire? Je vais me prendre une baigne de ouf. Il détruit la plaza! Il rase le monument de Krieger! On contrôle la
Au. Des projections de quoi? Ouh là là, il a dit un toit d'abord. C'est pas moi qui ai commencé en fait. Oh là là. Je veux pas me battre. On discutera. Qu'est-ce que tu fais, Carly? Ça va pas, non? Ça va pas la tête? Phil, regarde! Le réacteur va atteindre le niveau critique. On pourra bientôt plus l'arrêter. Non! Je m'enfuirai pas cette fois! Voilà cette scène. Je suis de ton côté. Oh merde. Je peux faire tomber Robson avec ce qu'on sait sur le uniforme. Ça marchera pas. Tout le monde s'en fiche. Oh merde. Ouch. Putain, mais l'amitié est morte, mais si fort! Elle me fait des gros dégâts, quoi! Moi, je peux gagner aussi! Comme ça, notamment! Aïe! Aïe, 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 aïe! Arrête de bouger, laisse-moi te buter en fait. Pas cette fois. Ça va pas m'occuper longtemps. Oh oh. Bah, c'est peut-être une blague qui fonctionne sur la chaîne de ton ami, mais t'es pas sur la chaîne de ton ami, Carly. On s'en fout de ce que tu racontes, Simon. Il a craqué, lui. Et boum. Ce qui est bien, c'est que ça redonne toute ma vie aussi, j'adore. Je crois que si, hein. Je crois que je suis en train de rouler dessus. Coucou loup-garou! Eww! Bah écoute, il est en plein combat final, loup-garou. En tout cas, j'ai l'impression. Et toi, comment il va? Tu te tuer. Tu peux pas gagner. Pourquoi tu continues? Parce que je suis Spider-Man. Ouh! Bien dit ça, monsieur. Ouh, waouh!
Oula. La bioélectricité, ça carie quand même, hein. Ouh là là. Maintenant faut assurer, je fais de mon mieux. Bim bam boum dans la jugulaire. Oh le coup de grâce. Ouh la nuque. Oh là là, c'est très très cinématique. Aïe 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 aïe. Oh, il y a des sons en fond qui sont très badass aussi. Oh là là. Allez. Ouh, dans la bouche. Ça a pas fait l'onde de choc. Oh là là. C'est Spider-Man ou Naruto? C'est un peu les deux. Spider-Man était là avant Naruto. Oh là là. En essayant, il a dit. Comme c'est stylé. C'est gagné, ça. Oh putain. Oh putain, Harlem. Oh là là, Ganki. C'est pas normal du tout. Je peux l'arrêter. Ah bon? C'est cassé ton truc. Oh merde, il a enlevé la capuche. Ouh. Il a touché le sol là. Elle va dead. Là, t'es au pif. Tu sais même pas ce que tu vas faire. T'as dit que tu pouvais l'arrêter, mais comment tu vas faire ça? Lui a réussi à rattraper. Prends des notes, Peter Parker. Prends des notes, Andrew Garfield uniquement. Le sound design est fou, par contre. Allez, champion. Tu y es presque. Avec ton petit cul là. Donne tout. Mais est-ce que ça va pas en rajouter une couche si tu balances ta propre électricité dedans? Allez mon grand. C'est comme les autres réacteurs, tu sais faire. Ah oui, tu vas revivre l'inévitable. Ah ouais, mais fallait pas foutre la merde. C'est ta faute, ma grande. Allez, Miles.
On donne tout. Allez mon grand. Oh putain. Oh la vache. Ça a marché? Il est de s'éloigner. Je vais pas tenir très longtemps. Il va péter. Il a changé Flash. Classe. Je peux pas. Tout va bien. Je peux pas. C'est fini, laisse-toi aller. Allez, vas-y. Oh waouh. Petit frisson ici. Aou. Aou. Miles. Oh mon Dieu. Dis quelque chose. Mais tout le monde sait que c'est lui du coup. Elle a été désintégrée, la dame, on dirait. Hein. Ah non. Hop, caché. On a rien vu. On sait pas, c'est lui. On dit qu'on sait pas, du coup. On dit qu'on a rien vu. C'est un mec gentil, mais on sait pas qui c'est. Ni vu ni connu, en un seul mot. Si jeune. Hey, reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. Vous avez vu son visage. Bon travail, Spider-Man. Merci. De qui s'agit-il ? Lui, là ? C'est notre Spider-Man. Et ouais, mon petit pote. Il pleut dans mes yeux. Un peu dans les miens aussi. Hein. Les larmiches sont pas loin. Hein. Bon, bah, la baisse bro est décédée, quoi. Ouais, ouais, on sait qui vous êtes. Les deepfakes. Ah, dans la gueule. Simon Krieger est derrière les barreaux. Yes, chez. Alias le rôdeur s'est retourné contre lui et Roxxon. Davis ira en prison, même si sa peine pourrait être réduite. Je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout ce qui est arrivé à Harlem. Super. Ensemble, ils sont tous les deux sur la fresque maintenant. Et avoir un Spider-Man rien qu'à nous dans le quartier, c'est pas mal. T'as l'air en forme, Ellie. Il dragouille un peu. Hein. Il va la fermer lui. Bah, en prison, il va la fermer, oui. Ça va, ils sont chill avec lui. J'ai pas vu, mais ton setup a changé absolument. Tout à fait.
C'est responsable de beaucoup de problèmes techniques ce soir, mais sinon tranquille. Ah, il est revenu ! Pété ! Wow. J'arrive pas à me faire à ce costume. Il est trop cool. Faut que je m'affirme. Ouais, c'est vrai. J'ai le meilleur costume pour la fin, je suis désolé. Hein. Est-ce que ça devient plus facile ? Ouais, en partie. Il y a des choses qui restent difficiles. Roxanne a fait ça ici parce que pour eux, on voit rien. Moi, Rick, Finn, tout Harlem. Ça s'appelle des racistes. Notre boulot, c'est tout faire pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça. On va rajouter ça au Spider Serment. On y va ? On y va. Oh, quel bonheur ! Teasing du 2 ! Dans pile un mois, mesdames et messieurs, Spider-Man 2. Très très cool. Très cool. Oh, la musique ! Il est très cool ce setup, il est très cool, mais il plante un peu. Il n'y a pas eu beaucoup de boss, hein. Il y a eu Rhino et Tinkerer comme boss. Si, il y a eu un espèce de fake boss avec le faucon à un moment, mais c'est tout. C'était chouette, hein. J'ai pas suivi, mais il avait l'air très bon ce jeu. Ce jeu est très bien. Le précédent était très cool également. J'ai bon espoir que celui qui sort dans un mois soit exceptionnel. J'ai vraiment hâte. Day One, il sera fait, bien sûr. C'est pour ça que la PS5 que vous voyez derrière moi a été achetée. C'est la PS5 Spider-Man. Elle est très belle. Bon, bah, c'est fini. Et puis, le 100% est effectué. En tout cas, le plus que je puisse faire, parce que le reste, visiblement, c'est en New Game Plus. Donc, faut refaire le jeu. Mais je pense, sinon, on est sur le 100%, hein. Il y a deux quêtes que j'ai pas pu faire, mais juste elles sont pas disponibles. Je sais pas comment ça marche. Un peu bizarre. Il y a toujours des bandes son de ouf avec Miles Morales en plus. Bon, j'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Ce petit let's play sur Miles Morales. Ça, je sais pas, qu'on a fait quoi, 4 sessions, un truc comme ça. C'est cool parce que ça m'aura mis en jambe pour dans un mois. J'ai hâte de voir les nouvelles mécaniques qu'ils ont mis en place pour le 2, ça va être cool. Parce que là, littéralement, c'est le même gameplay et les mêmes mécaniques quasiment à l'identique que Spider-Man 1. Mis à part tout ce qui est la bio-énergie et tout ça. C'est très similaire. Ce qui est pas dérangeant non plus, mais ça fait une bonne transition entre les deux jeux, je pense. Ouais, la musique est chouette. Ouais. Petit rap, là. Pas tout à fait, mais... Puis Miles Morales, quelle classe. Hein. J'ai du mal à me décider, est-ce que je préfère Miles Morales ou Peter Parker ? J'aime Spider-Man, c'est tout. Je sais pas lequel des deux je préfère. Dans le jeu en soi, je préfère Peter Parker. Par contre, dans les films, mes films préférés sont ceux avec Miles Morales. La BA de Percy Jackson est sortie. Quoi ? J'en sais rien. En mémoire de Chadwick Boseman, Wakanda Forever. C'est l'acteur de Black Panther qui est décédé il y a quelques années. Miles Morales, Be Greater, Be Yourself, c'est beau. Ah, le post-crédit. Je crois qu'il y avait un post-crédit dans le 1, mais je m'en souviens plus.
les habitants de Harlem ressentent encore les effets du soulèvement provoqué par un groupe s'appelant l'Underground. Parallèlement aux nombreux démêlés judiciaires... C'est fine, c'est Tinkerer. La nouvelle conseillère municipale Rio Morales s'est adressée hier dans les médias pour réclamer des subventions supplémentaires afin d'aider au bon fonctionnement... Norman Osborn et Curtis Connors, le bouffon vert et le lézard, respectivement. J'ai dit libérez-le maintenant. Ah oui, non, c'est vrai, c'est Harry Osborn qui est là pour un traitement médical, le fils de Norman Osborn. On avait ça dans le 1. On voit un peu les méchants potentiels qu'il peut y avoir dans le 2. Hein. Alors Norman Osborn, tout le monde sait que c'est le bouffon vert, c'est le méchant du premier film Spider-Man. Curtis Connors, c'est le méchant du premier film The Amazing Spider-Man, le lézard, du coup. Donc c'est deux persos très importants qu'on vient de voir là. Et il me semble que dans la cuve, c'est le meilleur ami de Peter Parker, à savoir Harry Osborn, qui était dans le 1 un espèce de tuto sur pattes, qui nous donnait des défis à faire et qu'il fallait qu'on réalise au sein de la ville. Et on apprenait au fil du temps ce qu'il était arrivé. Il disait qu'il était parti en études en Europe ou un truc comme ça. Et en fait, t'apprends, sans que Peter ne le sache, qu'il est, en fait, il a une maladie grave et que son père, Norman Osborn, essaye de le soigner à Oscorp. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je crois. Voilà. On va passer le générique. Oh, la post-crédit numéro 2. Ce costume est vraiment stylé. Au revoir, Finn. C'est leur capsule temporelle. Félicitations, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais rejouer des missions déjà accomplies avec Rejouer à partir du menu Pause ou refaire les activités ASDQ avec l'appli ASDQ. Vous pouvez également modifier l'heure de la journée à partir du menu des options. Vous pouvez recommencer en difficulté ultime pour plus de challenges ou commencer une nouvelle partie plus en gardant vos gadgets et vos compétences pour en débloquer encore plus. Refaire le jeu, quoi. Si je le fais, ce sera en off, en solo, donc. Je voulais voir s'il y avait le truc qui vient de laisser. Oui, il est là, ils l'ont laissé. Incroyable. Bon, pour la forme, il n'y a pas une tenue que je peux débloquer, que j'ai pas encore débloqué. Finissez la campagne et terminez la mission L'Idole des Chats. Je l'ai pas fait cette mission. Ah bah la voilà. Mais c'est les quêtes secondaires qui nous restaient en fait. Il reste du taf. Pourquoi ça se débloque qu'après? C'est nul. Allons-y. On a dit qu'on finissait, je vais pas faire une autre session de Spider-Man juste pour une quête avec des chats. Quitte à finir plus tard que prévu, tant pis. Hein. Hey, Mo, tu es occupé? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de quitter Trinity Church. Je pensais à Finn et... Je me disais... Vas-y, je t'écoute. Elle m'a sauvé la vie, et la tienne aussi. Et celle de tout le monde. Et c'est à cause d'elle qu'on a tous été mis en danger. Peut-être plus ce qui est arrivé à Rick. Je la comprends un peu. Tout le monde fait des erreurs.
Regarde ton oncle Aaron. C'est grâce à lui que Krieger moi est en prison. Et il nous a aidés à évacuer les habitants d'Harlem. Chaque fois que je le vois, je repense à toute la peine qu'il a infligée à ton père. Ouais. Rien ne t'oblige à avoir une idée arrêtée sur la vie de Finn, Hiro, ou sur sa mort. Souviens-toi juste de qui elle était vraiment et pourquoi tu l'appréciais. Tu sais toujours trouver les mots justes. C'est mon boulot de maman. N'hésite pas à me rappeler. Entiende? Si. Te quiero. Ils sont trop mignons tous les deux. Des bisous loup-garou, merci d'être resté aussi tard. Bon, j'aurais pu y aller en voyage rapide en vrai. Hein. Mais bon. Super nouvelle. Les labos expérimentaux de Roxxon à Manhattan sont HS. Et leur réacteur aussi. Enfin. Plus de labos, plus de Krieger. Cette fois, Roxxon a pris une méchante claque. À mon avis, on les reverra pas de sitôt. Tant mieux. J'ai pas trop envie de guider d'autres réacteurs. Je te comprends, mon pote. Mais je suis content qu'on ait pu faire ça ensemble. Moi aussi. À bientôt pour de prochaines aventures. Dans à peu près 5 minutes, c'est ça? Ça marche. Tout à fait, dans à peu près 5 minutes, j'arrive à la prochaine quête. Putain, mais c'est ouf, du coup ça veut dire que Miles il a vraiment aucune intimité quoi, il y a son pote pendu au bout du fil H24. C'est terrible. L'amitié ça ne s'arrête jamais. Moi j'aime beaucoup mes potes, mais si je les avais pendus au téléphone H24, j'en aurais marre vite. Hein. Salut. Ouh là là, prise de risque. Ah ok, c'est assumé, ça y est. Une petite sieste. Non, bébou. D'accord, Rourou, bonne nuit, merci d'être resté là dans le lurk, gros bidon. Oui, il a dormi combien de temps, là? De la part de maman. C'est un joyeux anniversaire. Pour une chasse au trésor. Papa m'en faisait faire. Elle en a créé une nouvelle. Chasse au trésor? Joyeux anniversaire Miles, prêt pour la meilleure chasse au trésor de l'univers. Voici le premier indice. En face du parc, le poids du monde sur nos épaules. Nous gardons le prochain indice. Bonne nuit, Rourou. Faut que j'aille voir ça. Qu'est-ce que maman a inventé? Mais il y a des collectibles. Il y a des collectibles. OMG. Je devrais sortir. Une nouvelle quête de collectibles. Muséum d'histoire naturelle. C'est donc ça le 100%. OMG. C'est où? Quoi? Ils sont où? Ça fait une éternité que je suis pas allé au muséum. La dernière fois, ça devait être avec Finn et papa. On adorait faire ça. Ça fait bizarre d'y repenser. Oula. Ah yes, ça c'est cool, je serais... enfin non, il serait trop content. Enfin bon, je vais lui dire. Hein, t'es un chic type, Spider-Man, hein. Eh, à bientôt. Il est génial, Théo. J'adore ce mec. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est qui ce Théo qui vient de me parler? C'était quoi ce délire? Ah oui, non, c'est la deuxième quête du coup. Ça va bien avec l'araignée blanche du costume de l'autre là. Salut, content de te voir. J'ai raconté à tout le monde comment t'as sauvé Spider-Man.
prêt pour une virée, Spider-Chat? Vous faites une belle équipe. Oh, la tenue, let's go. Oh, c'est stylé. C'est stylé, j'ai un chat dans le backpack avec, une, avec un masque de Spider-Man. J'ai hâte que vous me racontiez vos aventures. Maman, c'est trop bien. Ce quartier est super. A plus, Spider-Gamin. Au fait, attention aux boules de poils. C'est un vrai cauchemar. C'est vraiment mignon. C'est vraiment extrêmement mignon. Spider-Man, je vous ai abordé. J'ai pas le temps de vous écouter, j'ai un chat dans le backpack. C'est quasiment mieux que de finir avec un déguisement, enfin avec un costume où je suis tout nu. Quoique, quand même, le slip de Peter Parker était goldé, hein, mais... Salut Miles, j'ai une nouvelle après... Oh, il s'en est passé des trucs pendant mon absence. Jamais de repos pour les Spider-Man? Ah non. À ce propos, maintenant que je suis revenu, je vais pas passer mon temps à me balancer derrière toi et à te surveiller. Je te fais confiance. En plus, j'ai des affaires à régler. Comme quoi? Je peux t'aider? Je dois trouver du boulot. C'était cool d'être freelance pour le Bugle, mais... Faut quelque chose de plus stable. T'as pensé à faire prof? Je pense que tu serais bien. Ouais, Non, j'avais pas pensé à ça. Ok. Le muséum d'histoire naturelle. L'indice de la carte postale dit... En face du parc... Oui, c'est là, c'est... Ils portent le poids du monde sur leurs épaules, blablabla... Voilà. Ok. Celle-là, elle monte l'Empire State. Au sommet de l'Empire State, tu trouveras une paire d'yeux aveugles. Tu trouveras une paire d'yeux aveugles. Il y a une clé USB. Il y a aussi une clé USB. Mais en fait, il dit tout ce que je dis. Bon anniversaire. Oh mon dieu. Oh, c'est son père. Une chasse au trésor. C'est pas mal pour souffler tes seuls bougies. Il irait nostalgique. Tu te rappelles cet été où Finn et Toff m'avaient forcé à vous emmener au musée tous les week-ends? Un petit secret. J'adore ça. À une époque, je me sentais coupable que t'aies pas de frère ou sœur. Mon témoin, on est fâchés maintenant. Mais sans lui, je n'aurais jamais fêté mes 18 ans. À chaque fois que je te voyais avec Finn, je me sentais moins coupable. Parce que t'as une sœur. Avec Finn et Gangi aujourd'hui, t'auras toujours une famille sur ton côté. C'est beau ce qu'il dit. Rendez-vous au prochain indice. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai entendu sa voix. J'espère qu'il a laissé d'autres messages pour la chasse au trésor. Allô, la marmotte. Tu as trouvé ma note? Ouais. J'ai suivi l'indice et... J'ai entendu la voix de papa. C'est toi qui as fait ça? Juste la mise en place. Ton père a écrit les indices l'an passé. Non, je c'est sais beau. Que tu en baves depuis le début. Bonne nuit, Lumo. Des bisous. Ça m'aide. Gracias, ma. De nada. Amusez-vous bien. Il est trop mignon, ce chat. Et n'oublie pas, je suis là si tu as besoin de moi, Miles. Tu sais que tu peux tout me dire. Te quiero. Te quiero. Oui, maman. Oui, baban. Du coup, j'ai fait toutes les missions, ça a fonctionné. D'ailleurs, il reste une carte postale ici. J'imagine que c'est la dernière ou un truc comme ça. Pour parcourir la ville, pour les trouver. Ça va aller vite. Ça va être une quête rapide. C'est les derniers collectibles. C'est le moment un peu émotion. Il y a plus de méchants. Il y a plus de crimes. C'est juste chill, on se balade et on récupère des indices. Araignée sympa du quartier signale une vente d'armes en cours à proximité. J'ai rien dit. Il a tout vu. Désolé. Il restait que vous, quoi. Et voilà, une autre vente d'armes interrompue. Cool. Il se dit bien joué à lui-même, c'est mignon. Vous avez entendu, il a fait miaou. Miaou. Mais du coup, ma mère, elle est montée au sommet de l'Empire State Building pour poser une carte postale, y'a que ça à foutre.
L'Empire State Building. Voyons l'indice. Au sommet de l'Empire State, tu trouveras une paire d'yeux aveugles. Une paire d'yeux aveugles. Une paire d'yeux aveugles. C'est peut-être un indice pour les jumelles sur la plateforme d'observation. Vous êtes... Mais c'est... Out of order. Le musée d'art moderne de Greenwich. Je me souviens de cet endroit. Ça veut dire en panne. Trouve le fossile caché dans le monde moderne. N'oublie pas de lever le nez. Le voyage scolaire de CM2 à l'Empire State Building. J'étais accompagnateur. N'accepte jamais de surveiller un bus rempli de gamins de 10 ans, fiston. On a mis 3 heures à se rendre sur place et quand on est arrivé, qui en a vu ? L'araignée en personne. On se battait contre le vampire. Oh merde. On est sorti de l'ascenseur, on a dû rebrousser chemin et évacuer. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tu voulais rester. Tu m'as dit, Spider-Man a besoin de nous, papa. Tu as toujours eu l'âme d'un héros. C'est trop mimes. Rendez-vous au prochain indice. L'âme d'un héros. Si tu savais. Tu as appris à être un héros en observant papa. Il me manque. Surtout maintenant. C'est un peu triste en vrai. Ah, le Danny Cast. Ça a été une excellente semaine pour Harlem. Spider-Man a arrêté Tinkerer. Rio Morales a été élu au conseil municipal. Roxxon Plaza est fermé pour de bon. Et Simon Krieger est derrière les barreaux. Magnifique. Cerise sur le gâteau, j'ai passé mon test de citoyenneté haut la main. Bravo. Shin, je t'aime toujours, tes bonbons vont manquer. Mais revenons à nous deux. Pour faire bonne figure, la direction de Roxxon a divulgué les documents personnels de Krieger. Notes, emails, la totale. Pendant que j'épluche ces documents et que j'attends que Triple J présente ses excuses à l'antenne, je diffuserai des émissions préenregistrées inédites. On se retrouve en direct dans quelques semaines et en attendant, parlez à vos plantes quand vous les arrosez. Sérieux, elles adorent ça. Allez. Vous parlez aux plantes quand on les arrose, c'est noté. Fossile, il faut lever les yeux. Hop là. On dirait bien que je dois aller à CODB. Là où l'argent est roi. Cherchez la lumière, c'est la musique d'entraîner. C'est au casino. On a pratiquement dû vous traîner au musée d'art moderne, Finn et toi, la première fois. Vous ne compreniez pas l'un. J'aimerais d'aller voir des taches de peinture. Mais ta mère et moi... On savait qu'on devait vous montrer d'autres façons de voir le monde. Oula. Parfois, radicalement différentes. Quand je vous ai vu lever de grands yeux émerveillés vers ce portrait psychédélique d'Angela Davis, j'ai su que vous alliez compter. Tout ce orange et ce doré, vous n'avez pas idée que le monde pouvait ressembler à ça. Que c'est beau ce qu'il dit quand même. Ressembler à ça. Ah, des rois. Ça me rend fier que tu sois arrivé jusque-là. Voyons comment tu te débrouilles avec les prochains indices. Avec Finn, on en a parlé pendant des mois. Papa et maman savaient comment inspirer les autres. C'est stylé les anecdotes. Putain, j'aimerais bien avoir des souvenirs aussi précis comme ça de quand j'étais plus jeune. J'ai vraiment l'impression d'avoir la mémoire qui part en cacahuète et de pas me souvenir de beaucoup de choses qui étaient importantes. C'est un peu triste en vrai. Un peu tristounet. A mon avis, il doit en rester 2-3, un truc comme ça. Hé, hey, ça chauffe entre Roxxon et l'Underground. Je t'ai marqué l'endroit. Il faudrait savoir, ils sont arrêtés ou pas? Ok, caché dans les lumières, c'est juste au-dessus, regardez. C'est là, on le voit. Allô ?
Ok, c'est ODB. À nous deux. Je peux le... Non. Ok, Spike. Retourne bosser. Après. Ah. Chez Bill le Homard. Le restaurant préféré de papa. Bien blotti sous Stuyvesant, se cache un même monstre. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse au CODB avec ton oncle. Tous nos... Et là, on va commencer à remonter en direction d'Harlem, je pense. Ah bah si, c'est écrit, 5 sur 8. Il en reste 3. Il a enfin décidé de nous parler de son. Et de lui, c'est ici qu'il m'a emmené. Il nous faire passer. Et après ça, je ne voyais plus l'endroit. Bon, d'accord. C'est pour ça que je t'ai jamais emmené. Regarde, je suis sûr que tu aurais hâte. Alors, voilà ce que je veux. Trouve un concert, tout seul. Que tu veux, c'est moi. Viendra ensemble. J'ai touché personne avec mon nombre de chocs au passage, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Oh, le chat qui griffe au passage, trop mimes. C'est pas vrai! Tu vas mourir, oui? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, je voulais juste faire une pause combat pendant le dialogue, mais... Lâche ça! Ok. J'ai pas eu de chance. Bonjour. J'adore les combats aériens, en vrai. T'es là derrière. Et c'est ciao. Je les ai eu. Fusillade de rue interrompue. La fille peut reprendre son coup. J'allais où? J'allais là. Allez hop, petit voyage rapide pour la forme. Une fois n'est pas coutume. Bien sûr. Ok. J'ai rien contre les soldes d'après Noël. Mais les liquidations d'après Noël, c'est bien mieux. Chers auditeurs, vous savez que je me pose en défenseur de la vérité, de l'intégrité et des faits. Je n'ai pas été tendre avec le nouveau Spider-Man, la catastrophe du pont Braithwaite. Et pour cause, ce mioche a fait tellement de bourdes que le Spider-Man original en serait devenu plus rouge que son costume. Chez Bill le Homard, la terre promise de papa. Bien blotti sous Stuyvesant, se cache un nain monstrueux. Je pense savoir à quel mail fait référence. Sous Stuyvesant. Mais c'est dessus, non? Le prochain indice doit se trouver sur Bill le Homard. Sûr qu'il a l'air monstrueux. Ah, c'est là. Je vais réécouter le Triple J, ça a bugué du coup. Enfin, ça a bugué. Aucune lettre ne peut entrer dans ce château artistique sans s'arrêter à cette porte. Oh, chez Bill le Homard. Oh, ce resto, c'est ma deuxième maison. C'est cher du homard, non?
Allez, on remonte. La cuisine de ta grand-mère dessus. C'est là que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous et c'est devenu une tradition. Même quand elle était enceinte de toi, elle a commencé à avoir des contractions au moment du dessert. Je pense que c'est à cause des crevettes de moi. Mais je vais pas te mentir, Fiston. Je m'arrête pour prendre une cassette de bonbons. Maman était au courant qu'il fréquentait cet endroit. Ce sera son petit secret. Il faisait une bonne écoute. Trop mignon. Collection. Ça doit être ça, mea culpa, ouais. Chers auditeurs. Oh non, je suis obligé de l'écouter dans le menu. Oh non, c'est de la merde. Chers auditeurs, vous savez que je me pose en défenseur de la vérité, de l'intégrité et des faits. Je n'ai pas été tendre avec le... Oh, ça gonfle. Chers auditeurs, vous c'est pas une bonne chose. J'ai envie de savoir ce qu'il dit, il dit mea culpa. De l'intégrité et des faits. Je n'ai pas été tendre avec le nouveau Spider-Man depuis la catastrophe du pont Braithwaite. Et pour cause. Ce mioche a fait tellement de bourdes que le Spider-Man original en serait devenu plus rouge que son costume. Le pas ce torchon qu'il porte en ce moment. Mais aujourd'hui... Je dois bien reconnaître que toute la ville soutient ce gamin et l'a érigé au rang de véritable héros. Alors qu'une source d'énergie instable s'apprêtait à rayer Harlem de la carte, le jeune Spider-Man se serait interposé et aurait sauvé des vies. Du moins, c'est ce que ses fans voudraient nous faire croire. La vérité, et à vous. C'est que rien de tout ça ne serait arrivé s'il n'avait pas enfilé son costume ridicule pour aller faire le singe à travers toute la ville et commettre crime sur crime. Lui, un héros. Ah, je me disais aussi. Un héros, oui. Ah. Allez, Jared, ouvrez les lignes. Je veux entendre ceux qui sont d'accord avec moi. Jared, je vous ai dit d'ouvrir les lignes. Elles sont déjà ouvertes. Ah, ben, y a un problème alors. Désolé, chers auditeurs, nous avons un souci technique. Bah non, t'es juste un connard. Oula, je suis coincé entre deux camtars. À l'aide. Oui. J'adore me balancer comme ça. En vrai, je pourrais juste faire ça pendant des heures. Sans rien faire d'autre, sans rien dire d'autre. Me balader là-dedans. Faire des trucs un peu stylés, m'arrêter de temps en temps pour casser 2-3 gueules. Je vais pas le faire, je vous rassure, parce que j'ai pas envie de me... Comment dire, de me lasser de ce gameplay avant la sortie de Spider-Man 2. Magasin se fait dévaliser. Je dois les aider. Ne faites pas de mal. Éclatez-le. Après tout, on retournera. C'est l'heure de rejoindre vos amis et la prison, les gars. T'as envie de mourir ? Je vais sûrement t'aider. Oh là là, ça fait mal ça. C'est rigolo le passage en 2D comme ça. Non! C'est le dernier. Fini. Il en reste combien des prisonniers en cavale? Beaucoup, hein. Je suis dans la bonne direction? Pas du tout. Je crois que c'est l'avant-dernière, non? Ils
Ce chat trop mignon qui fait des miaou pendant qu'on vole. Voilà l'art space. Ok. Aucune lettre ne peut entrer dans ce château artistique sans s'arrêter à ses portes. Aucune lettre. Ah! Indice suivant. Super! CJ Walker Park. Je connais cet endroit, c'est à Harlem. Je le savais, la dernière était à Harlem. Le panier où tu as appris à voler, ton périple prendra fin. Oh! J'ai hâte que ça se termine. Oh, bébou! La remise des diplômes du collège. Vous avez rigolé, Tim et toi, en voyant l'immeuble Art Space en disant que ça ressemblait à un couronnement. On était tellement fiers, ta mère et moi. Notre fils et celle qu'on considérait comme notre fille allaient recevoir leur diplôme et s'étaient les meilleurs de leur classe. Je sais que vous étiez triste d'aller dans des écoles différentes, mais laisse-moi te dire une chose, Max. Les amitiés de jeunesse, les vraies, elles durent. Ouais, j'ai eu peur. Vous reverrez, Tim et toi, dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Il ne reste plus qu'un indice. Je parie que tu as hâte d'arriver au bout. On a repris contact, Finn et moi. Mais pas comme papa l'aurait imaginé. C'est vrai. Ça s'est mal fini, elle est morte en fait. Allez la bise. Elle est full dead la dame. Miles, j'ai réussi. J'ai trouvé comment faire. Quoi? Comment fissionner un atome sans bouger de chez toi? Je m'occupe de tout ça au plus vite. Mais non, speed Nodagon. J'ai mis à jour le modèle de collision, corrigé la physique des projectiles et stabilisé la cadence d'affichage. Ça déchire! Ça veut dire que je peux y jouer? Mais il manque encore les textures, les effets spéciaux, la musique et les voix. Ah. Je peux m'occuper de la musique? Et peut-être même des effets sonores. D'abord, on améliore notre speeder costume. Et maintenant, on monte un empire du jeu mobile. Mais plus rien ne nous arrête. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Je finis quelques trucs pour le boulot, mais dès que je rentre... Je prépare un tableau de suivi et je fais la liste des effets sonores dont t'auras besoin. Ah, je planche aussi sur une BO. Ils sont trop forts. C'est moi qui te fais un check à distance. A plus, mon pote. C'est beau. C'est là. CJ Walker Park. Sous le pack. Waouh. Ça fait remonter tellement. Oh, la photo. Et voilà la dernière étape, CJ Walker Park. Tu te rappelles quand on venait jouer ici pendant l'été? Ton oncle t'a montré comment te frayer un chemin jusqu'au panier et moi je t'ai appris à dribbler croisé comme un chef. Et comment oublier le jour où Finn et toi avaient essayé de placer un dunk contre ta mère? Cet endroit trop badass. Me rappelle que quoi qu'il arrive dans la vie, la seule chose qui compte, c'est les gens que tu aimes. Toi, ta mère, Finn, Ganki, même ton oncle. Même ton oncle. Garde tes proches autour de toi et tout se passera bien. Joyeux anniversaire, mon grand. C'est de toi que vient tout mon courage. C'est Mims quand même. Un peu triste, mais Mims. Oh. J'étais pas prêt à entendre ça. Oh, bébou. Félicitations, t'es allé jusqu'au bout, c'est de toi que je tiens mon courage. Oh, aïe, aïe. C'est beau. Coucou Miles, ça va? Ouais maman, tu viens juste de finir la chasse au trésor. Merci beaucoup d'avoir mis tout ça en place. Pendant un moment, j'ai eu l'impression... Il ne nous a jamais quittés, Miro. Je t'aime. Je t'aime, maman. Allez, on va finir comme on a commencé, mesdames et messieurs. Ou comme on a fini le précédent. Sur la fameuse tour des Avengers. Je sais pas si vous avez pu voir le succès qui s'est déverrouillé, mais il y avait le succès faire tous les quartiers à 100%. Donc je pense qu'on y est. Le 100% a été validé, mesdames et messieurs. Je ne peux pas faire plus. J'ai tout débloqué. J'ai fait toutes les quêtes. J'ai tous les collectables. J'ai fait toutes les missions au niveau maximum. J'ai un chat dans le backpack.
J'ai fini l'histoire. Ma meilleure pote est morte. Tout va bien, quoi. Aïe, aïe, aïe. Rendez-vous dans Spider-Man 2. Ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être le feu. Le fou, le feu, le pou. Le pou, le pou, le pou. Sauvegarde manuelle. 100%. C'est écrit. C'est validé par le jeu. Le jeu est OK avec ça. 100%. Un nouveau jeu terminé à 100%, mesdames et messieurs. Voilà. C'est fait. C'est réglé. C'est géré. Je pose la manette et on arrête là. Incroyable. Ouh. Bravo à moi. L'ego du gars. Bravo à moi. C'est fait, c'est géré. Je suis content. Putain, d'ailleurs. Alors, je suis en train de me rendre compte d'une chose. C'est que, après le crash de tout à l'heure de mon PC et tout, j'ai relancé OBS classique en lançant le comment dire, en lançant la VOD. Et ça lag pas depuis tout à l'heure. J'ai pas l'impression, en tout cas. Donc peut-être que juste redémarrer le PC, de force, mais redémarrer le PC, ça a corrigé le truc. Je sais pas. En tout cas, ça avait l'air d'être OK sur la fin. Bref. Non, c'est nickel, on est d'accord, hein. Ouais, d'accord, et puis je suis en temps réel. J'ai pas le petit décalage d'une demi-seconde que j'avais tout à l'heure. Bon, bah bref, je l'avais dit. Mais oui, tu l'avais dit, Alain, bravo. T'es le meilleur. La suite du plan, mesdames et messieurs, pour ce qui est de cette semaine, on se retrouve vendredi midi pour faire du Kingdom Hearts Birth by Sleep. On se retrouve ensuite vendredi fin de journée. Vers 17h30, je pense, un truc comme ça, pour faire du Zelda A Link to the Past. Voilà, pour essayer d'avancer dans l'histoire, parce qu'on n'est pas loin de la fin de celui-ci non plus, en vérité. Donc c'est cool. Et ensuite, le gros événement de la semaine, et du mois même, on va dire. Attendez, je veux une autre musique que ça. Putain, j'ai le OK, oh! Voilà. Le gros événement de cette semaine, c'est ce week-end à partir de 7h du mat samedi, Pokémon Rouge. Je détaillerai probablement ça un petit peu plus vendredi de comment ça va se passer. Mais si vous regardez bien sur le Discord et sur Twitter, Insta, dans les stories à la une d'Instagram notamment, j'ai posté les follower goals et les sub goals qu'on va mettre en place, qui en fait consistent à me rajouter des contraintes sur Pokémon Rouge. La contrainte d'origine, c'est de finir le jeu à 100%, enfin non, pas à 100%, wow, de finir le jeu, de battre la ligue et Blue en un seul live, sans stopper, en faisant tout d'une traite. Et les follow goals et les sub goals sont là pour me rajouter des contraintes pour que ce soit plus long. Voilà. Et du coup, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça va dépendre de à quel point je suis efficace, et ça va dépendre de vous. Ça va dépendre du bouche à oreille de ce live-là, de ce week-end, si vous en parlez autour de vous, etc. Et aussi de votre générosité. Voilà. On va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai trop hâte. Ça va être trop cool, Pokémon Rouge. Ça va être le giga-feu. Je vous fais des gros bisous. Est-ce que je peux vous raid quelque part? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de on à cette heure-là? Il est tard, hein. Il est tard. Il y a Keaton, il y a Cladol. J'ai pas l'occasion d'aller chez Keaton. D'habitude, on va aller chez Keaton en vrai. Keaton qui faisait partie des streameuses qui ont œuvré avec moi pour 106%. Pour l'association Marion la main tendue. Et j'ai pas eu l'occasion de raid chez elle depuis des lustres. Voire je l'ai jamais fait. Alors on va y aller, mesdames et messieurs. Schrödinger Kitten, je vous invite à follow. Je vous invite au moins à dire bonjour ou à poser un petit lurk, ça fait toujours plaisir. Faites de votre mieux pour apporter du soutien aux petits streamers et streameuses. Ça fait toujours plaisir. Je vous envoie là-bas. Je vous dis, passez une bonne nuit. Un bon jeudi, on se retrouve vendredi, deux fois dans la même journée, et on se retrouve samedi pour Pokémon. La bise, merci de votre présence, et merci de votre soutien. Au revoir! Vous êtes mignons.